Alors, lorsque le projet YAMSIS est arrivé, l'idée, ce n'était pas d'imposer des technologies aux producteurs. Donc, nous avons discuté beaucoup avec les producteurs, de telle sorte à pouvoir développer des innovations qui seront facilement intégrées, qui pourront facilement intégrer et appliquer dans leur système de culture. Donc, au début, par exemple, le choix des variétés d'igname sur lesquelles il fallait faire la recherche avait été suggéré par les producteurs. Le choix des rotations a également été pris en compte pour que les rotations qui seront mises en place soient acceptées par les producteurs. Donc, il fallait utiliser des cultures qu'ils ont l'habitude de produire ici sur place. C'est pour ça qu'à Léo, nous avons choisi pour la céréale le maïs et les légumineuses, nous avons choisi l'arachide et le niébé qui sont réellement cultivés et consommés par les populations. Sur d'autres sites de YAMSIS, par exemple en Côte d'Ivoire, à Tienengwe, la céréale utilisée pour la rotation, c'était le riz, parce que c'est le riz que les producteurs et les populations là-bas consomment comme céréales. Donc tout ça, les discussions avec les producteurs ont permis vraiment de mieux orienter la recherche pour que les résultats qui vont être dégagés puissent être appréciés et appliqués par les producteurs. Voilà. Et c'est ainsi que lorsque les essais ont été mis en place, en pleine phase de végétation comme actuellement, on organise des visites commentées avec les producteurs qui viennent voir de visu ce qui se passe. Parce que les producteurs sont vraiment impressionnés lorsqu'ils voient un sol difficile comme ça et ils parviennent à produire, ils sont beaucoup plus impressionnés. Et ils choisissent en fonction des différentes rotations, les différents traitements qu'on leur explique, ils choisissent d'appliquer telle ou telle technique en fonction de leur propre intérêt. Donc on ne leur impose pas les tests. Et lorsqu'ils vont appliquer les tests chez eux et que ça marche, ils sont beaucoup plus convaincus et la recherche a fini son travail. L'extension des résultats de la recherche incombe même au producteur parce qu'il est convaincu et il peut convaincre les autres producteurs qui n'ont pas forcément participé au début d'utiliser les technologies qui sont proposées, qui ont été développées avec les producteurs eux-mêmes.